Je rends gloire au Seigneur. Give glory to the Lord. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. On acclame le canon du Seigneur. C'était l'année dernière. Last year, j'ai été victime de la sorcellerie. I have been victim of witchcraft. J'avais du mal à me marier. I couldn't get married. Ma mère me menaçait. Elle m'attaquait. I was threatened by my mother. Elle m'a dit tant qu'elle vivra, je ne me marierai jamais. She told me, until the day she lived, j'ai vécu une vie comme ça, avec des relations éphémères. I couldn't go ahead. J'ai eu un enfant avec une fille. And I had a kid with a... J'ai eu un enfant avec une fille. With a girl. Et quand l'enfant est né, when the baby ma mère m'a dit, cette fille-là, tu ne la marierais pas. You won't get married with tant que je vivrai, je mettrai tout en œuvre que tu la quittes. Tu me défies. Can you can leave tu verras ma force, tu ne la marieras pas. See my strength. You won't get married. Et quand l'enfant est né, j'ai eu toutes sortes de problèmes. I had every kind of problem. Et j'ai fini par divorcer avec cette femme. Nous sommes séparés. J'ai pris l'enfant. I took the kid. Voici mon fils. Here is my kid. Et le combat continue. Je prie de large. Je me suis dit non, mais c'est pas normal. Au lieu que je me marie. Elle est partie en France. Aujourd'hui, elle vit en France. Et quand elle est partie, elle m'a dit, French, et quand là-bas, je te contrôlerai toujours. Je suis content. Et puis après, l'année dernière, j'ai décidé de me marier. J'ai dit, elle, le Dieu qui est fort, verra. Moi, je me marier. J'ai brisé ce mythe-là. Je me marie. C'est ainsi que le 13 mars 2015, je me suis marié à mon épouse. Et quand je me suis marié, les problèmes ont commencé. Je me suis marié le 13 mars, le 28 mai. Deux mois après, j'ai eu un accident. J'allais au travail, une véhicule est venue rentrer mon pied, casser ma cheville, toute fracture à la cheville. J'étais plâtré jusqu'ici. Je marchais des béquilles. Je fais 5 mois dans le plâtre. Et le médecin traitant m'a enlevé le plâtre. Parce qu'on a la vidéo ici. Amen. Je retourne la vidéo. Okay. 5 mois dans le plâtre. Et le médecin, c'est le professeur. Il m'a dit, dans 5 mois, je t'enlève le plâtre, je serai guéri. 5 mois, je suis allé, il m'a fait la radio. Il m'a enlevé le plâtre, il m'a dit, tu n'es pas guéri. Mon pied a commencé à s'enfler davantage. Il m'a dit, moi, je suis un professeur. Quand je donne une date indiquée, la date arrive, le patient est guéri. Toi, il y a un problème, va te revoir. Je n'ai jamais plâtré un pied 2 fois. Il m'a replâtré le pied. Quand il m'a replâtré le pied, c'était un mardi soir où il est à la maison. J'ai vu le prophète à la télévision. J'ai dit à mon épouse, nous allons le voir, ce monsieur. Il a un thème qui m'intéresse bien, la sorcellerie. J'irai voir. Mon épouse m'a dit, c'est à Divo. J'ai dit, même si c'est en France, moi j'irai. Après toi, on ira à Divo. On n'a dit à personne. On fait nos effets, nous sommes venus à Divo. Je ferai un mot à Divo ici. Ont prié pour moi. Ils ont prié pour moi. Quand je suis retourné à Abidjan, 2 semaines après, j'ai eu la guérison. Amen. Je suis allé voir le médecin. Il m'a fait la radio. Mais tu viens de loin, tu es guéri. Les os sont soudés. Tu es guéri. Il m'a enlevé le cap. Je marche dans la béquille. Je rends gloire, honneur au Seigneur, à son prophète, à tous ceux qui m'ont soutenu, au prophète, à tout le monde, à l'équipe, au ministère. Je leur dis merci, que Dieu les bénisse. Alléluia. Salut papa, maman, grand sœur, au nom de Jésus. Moi je m'appelle Guédo Matéré. Guédo Matéré. Voilà. Où je me trouve ce matin là?
c'est pas comme ça je suis venu ici. Le temps que je suis arrivé ici là, when I came here, vous pouvez pas me regarder matin là. Mais c'est grâce à Dieu de Papa Grasso, vous me voyez belle devant vous matin. Avant que je vienne ici, j'étais chargé de tout. Maladie, sorcellerie, dragon, toutes les mauvaises choses qui sont dans le monde, tout était sur moi. Donc j'étais en bas pour là, c'était comme ça. Puis je suis venu ici pour rentrer dans le bureau de papa. Vraiment, si je n'étais pas venu ici là, où je suis matin là. Je n'ai pas grand-chose à dire à moi. I have nothing to say. À Dieu, ici, là, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est pour lui dire merci. Just to say thank you. C'est grâce à lui, je n'ai pas mouru. Tu vois, présent, un m'appelle pour dire que je suis ici, là. Comment je vais faire pour rentrer? Il n'a pas cherché solution. C'est ça, il dit que vous êtes vaincu. Vous avez dit que je ne vais pas rentrer dans la nouvelle année. So, mais je suis dans la nouvelle année. Mais voici le matin, là. Tout ce que vous avez fait, je fais là-bas. Moi, je pense que c'est zéro. C'est zéro. Chant Yakuba. The year is the new year. Je vais chanter. Chante Yakuba. Attends. C'est bien ton matin, chanter. Donne un chant Yakuba. C'est bien ton matin, c'est bien que tu m'aies matin, là. Parce que j'ai dit à mon Dieu, sorcier a bloqué tout. Dragon a bloqué tout. Tous mes enfants m'ont pardonné. Vraiment, qui m'a donné l'argent, il m'a donné rien. Mais quand même, il était chez papa ici là. Matin, chaque matin, tout le monde me fait déjeuner. Tout le monde me fait petit pied. C'est pour ça que tu as fait pour moi là. J'ai dit que le juge, je vais faire témoignage là. Tu sais chanter où? Tu sais pas chanter où? Moi, je vais chanter pour danser. Je te dis merci, papa. Papa, je te dis merci. Je te dis merci, papa. Si j'ai dit que Noël, ma Jésus, Noël, Roma, tu n'as pas dit Jésus, Noël, et ma Jésus, Noël, Roma, Jésus, Noël, Roma, ma papa, Noël, Roma, Jésus, Noël, Roma.
Jordan Lala, c'était. J'ai fini ça. C'est Madame Lala. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Elle a été visitée par l'Esprit de Dieu. C'est un son de miracle. La 2016, ça serait des séries de miracles. Les miracles vont nous épater, ils vont tous nous épater. Oui, amen. Les grands miracles, par la grâce de Dieu. Nous dans une autre étape. De l'onction. Of anointing. Amen. Amen. Donc cette année, ça sera une série de miracles. This year will be a series of miracles. Que la gloire revienne à Jésus. May the glory. Nous allons glory présenter un bébé. Again to introduce the baby. J'ai trouvé le nom, c'est le bonheur. I have found the name. Name is happiness. Carrément coller le bonheur, coller tous les lettres, le bonheur. Vous collez tout ça, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Amen. Nous allons présenter l'enfant Seigneur. Il n'a pas connu l'enfant. Donne-moi de lui, s'il vous plaît. Nous allons nous tenir debout. Reste là. Nous voulons te rendre la gloire parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es souverain. Et tu es merveilleux. Je vais te présenter ce bébé à qui nous donnons ce nom, le bonheur. Que le bonheur s'attache à son âme. Et à toute sa destinée. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es merveilleux. Nous communiquons l'obéissance aux parents, la sagesse et l'intelligence. Que le royaume de la sorcellerie soit jamais vaincu sur sa vie et qu'il soit sous la haute protection du Saint-Esprit. Merci de le bénir. Merci de le faire du bien. Ouvre la bouteille. Maman vient. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? So we are going to have an opportunity. On that, you have to allow me also to be on holiday to enter another dimension in the year 2016. I'm telling you, giving you the news, we have a meeting tonight. Tout le groupe, le personnel, with the whole staff. Tous les départements de l'église. All the department of the church. Ce soir, à partir de 19h. At 7 p.m. Nous allons avoir une réunion. We're going to have a meeting. On peut parler des choses. We can talk about ton projet, tout ça. Ce soir, à 19h. Tonight, 7 p.m. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes en 2016. Il y a quelqu'un. We are in the year 2016. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne se rendent pas encore, qui ne réalisent pas ça encore. Amen. Amen. Nous sommes en 2016. Ça veut dire quoi? What does it mean? Nous sommes dans une nouvelle année. We are in, it's a new year. Alléluia. Une année vient de partir. Another one. Elle ne deviendra plus. Nous venons de entrer dans une nouvelle année. And we are now in a new year. La définition, ça veut dire quoi? The definition is that. L'année là, c'est un plus. Et ça t'apporte quelque chose. Donc quelque chose doit absolument changer. Something has to change. Quand une année arrive, quelque chose doit changer. Something must change. Amen. Mais c'est l'année qui vient vers toi. But a year. Et c'est toi qui as quelle année? Il faudrait comprendre que quand il y a une année,
C'est un progrès, il y a quelque chose qui doit forcément changer. C'est une étape très importante pour nous. It's an important step for us. Pour avancer. To go ahead. Amen. C'est pour ça qu'on fait des bilans. That's why we have c'est important. Summary. Et savoir que j'ai vécu en 2015, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Nous les Noirs, ça ne nous intéresse pas. Nous aimons beaucoup improviser les choses. C'est pour ça que dans chaque entreprise, vous allez voir que les gens remettent des agendas aux gens. Je ne vais pas aller faire papier génique. Je ne vais pas aller mettre de courrier bureau. C'est pour dire, c'est qu'on t'a donné là, de janvier jusqu'en décembre, pour planifier des choses. From January to December, you amen. Have to plan pour planifier des choses. C'est ça qu'on appelle l'agenda. Tu donnes l'agenda. Pour toi, même planifier des choses. To plan things. Quand une année vient, elle vient accomplir toi quelque chose qui est en toi. To accomplish something. Vous comprenez? Elle vient t'aider à accomplir quelque chose. The year comes to help you. So c'est quand tu n'as rien, l'année n'apportera rien pour toi. If you have nothing, tu vas traverser l'année sans la sortie. Tu ne recevras rien de l'année. Or l'année vient, toi tu l'as guéri. L'année vient accomplir tes rêves. Donc si tu ne planifies pas des choses, toi même tu auras des problèmes. You have problems. Donc qu'est-ce que l'année 2016 nous représente? What the year 2016 c'est quoi la 2016 means? Faudrait comprendre parce que tu as dit 2016 là c'est quoi? Ça représente quoi? Est-ce qu'on me suit? They follow me. Suivez-moi s'il vous plaît. Follow me, please. Moi de bruit. Nous sommes en train de nous construire l'année 2016. Yeah, building the year 2016. Amen. Amen. Vous savez, Dieu, il est numérologue. Donc, pourquoi on parle de la numérologie? Quand on dit numérologie, ça dit un numéro. Or, on dit le premier jour, le deuxième jour et le sixième jour, Dieu créa l'homme. The second, vous comprenez? The fourth, donc, ça veut dire que Dieu, il ne s'est pas trompé du premier, deux, trois. Ça, c'est la numérologie. Amen. Or, les chiffres ont leur sens. Numbers, les chiffres, vous voyez là, ont leur sens. Dieu ne se trompe pas. Amen. Alléluia. Je vais expliquer par exemple. Let me explain. Le chiffre 1. The figures. Amen. Number one. Le chiffre 1. C'est le chiffre de Dieu. The figure of God. Ça représente la force. A figure represents strength. 2. C'est l'unité. Then 2. Un chiffre de vision. Unity. C'est ça qu'il appelle la vie. Les deux sont marchés ensemble sans avoir auparavant mis d'accord. C'est pour ça que 2 va mieux que 1. Donc 2. 2. Le chiffre 3. And then the thing je demande à la sanctification, la Trinité. Mais c'est le chiffre de la transformation. Amen. Le troisième jour, Jésus-Christ a été. The third day that Jesus Christ le chiffre 4. Was born le chiffre de la stabilité. And then, number 4. Les 4 piliers représentent la maison très forte. Le chiffre 5. And then five, c'est le chiffre de la grâce. Figure of grace. Amen. Amen. C'est ça que vous allez voir le nom de Jésus, il y a 5 lettres. That's why vous allez voir que David allait prendre 5 pieds. Grâce même, c'est 5 lettres. 5 chiffres. 5 lettres plutôt. Amen. Amen. Non, la grâce est un don mérité. Le chiffre 6 est considéré comme le chiffre de l'homme. Donc le chiffre 6, c'est le 6e jour, Dieu a créé l'homme. God has created human. Puis on peut dire le chiffre 7 par exemple. And then 7. C'est le chiffre de la persévérance. Perseverance. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les chiffres ont leur sens. Figures are already important. 3 fois éternel, 7 fois temps. Donc, les chiffres ont leur sens. Figures are really meaningful. Et vous savez que l'homme, l'être humain, vous voyez là, the human being, il évolue chaque 3 mois. Is going ahead every 3 months. C'est pour ça que 3 fois. 3 times. 3 fois 3, nous donnons 3 times. Merci. 3 by 3 is 9. Non, ça dit 3 fois son 3, ça fait combien? 3 multiplied by 3 is 9. Pardon, c'est 9. C'est 9, ça donne. Donc ça dit chaque 3 mois, every quand vous regardez le fœtus, 3 mois le fœtus évolue, le 6e mois, un enfant peut être prématuré. Then the 6th il peut sortir, mais 5e mois, c'est difficile. The à 6 mois, il peut sortir. Amen. Amen. Or, quand vous remarquez que quand un enfant sort prématuré, point, a baby is not il a un caractère bizarre. Remarquez, les enfants qui sont sortis prématurés, ils ont tous un caractère bizarre. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas respecté les normes. Donc, ça joue et ça influence leur caractère. C'est ce qu'on appelle le caractère chichophobie. Ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas respecté les normes. Donc, ça joue. Ils sont beaucoup complexés.
et ça joue beaucoup sur impact on their life. Ils sont beaucoup orgueillés par moments, ils n'aiment pas accepter des choses, ça les influence personnellement. Quand quelqu'un se dépasse 9 mois, when someone il a aussi ce problème. Over 9 months, amen. Je suis en train de vous expliquer un peu les choses pour que vous puissiez comprendre un peu ce que je veux aborder comme sujet. Amen. Amen. Or, le 2006, 2006, vous allez voir un zéro représente rien, n'est-ce pas? Dans 2006, il y a le zéro. Ça dit le zéro, ça veut dire rien. Donc on ne peut pas dissonner le zéro. 2016, c'est rien. 2016. Ah, pardon, 2016 plutôt. 2016. J'avais dit quoi? 2006. Ok, c'est tout le temps pour moi. 2016, ça dit 2016, le zéro, il ne représente rien. 2016. Donc nous allons maintenant additionner. Donc, nous trouvons le 1, nous trouvons le 6, nous trouvons le 2. Ce sont des chiffres très importants. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez un peu la portée des chiffres? Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Je vous ai parlé de 1, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de 2. Je vous ai parlé de 6. N'est-ce pas? Les grands chiffres se retrouvent dedans. Dans 2016. Dans 2016. Hein? Amen. Hein? Amen. 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 Je vous ai parlé de 1, l'unité. N'est-ce pas? L'unité fait la force. Quand on est unis, c'est la force, c'est pas ça? Or, la force se retrouve dans 2016. But without strength in 2016. Non, je parle de la force. Unité, ça veut dire Dieu. Ça veut dire qu'on est la force. 1, ça veut dire. Non, c'est 2 qui est unité. 1, ça veut dire force. 2, ça veut dire unité. L'unité fait la force. Amen. Amen. Or, le chiffre même clé the figure qui caractérise l'être humain se retrouve en 2016, qui est 6. 6. Donc, vous savez, on a tous les chiffres qui viendront nous booster sur le plan spirituel. Amen. Tout est représenté. C'est pour ça que quand on les additionne, ils font un bon chiffre, qui est le chiffre de la naissance, a good figure, de la procréation, the figure of birth, le chiffre 9. Une femme met au monde, nine, le 9e mois, on est convaincu qu'elle va accoucher. Si elle n'accouche pas, c'est un handicap. C'est quel est le problème? Amen. Alléluia. Vous m'avez bien saisi? Donc, dans ce chiffre-là, dans l'année 2016, nous retrouvons en matière de numérologie beaucoup de choses. Ce n'est pas, du mysticisme qui sont enseignés, ni du marathon, ni de l'occultisme, ni de l'astrologie, non. Je vous enseigne quelque chose qui est clair et net. Amen. Amen. Nous retrouvons quelque chose de très important. C'est pour ça que l'année-là, chacun d'entre nous doit prendre ça au sérieux. That's why you have to take seriously that. Amen. L'année là, elle vient this year is coming pour quelque chose de très important. An important thing. C'est le chiffre de l'enfantement. The figure. Le chiffre de l'enfantement. Elle vient pour que tu enfantes un bébé. Elle vient this year fait enfanter quelque chose de très important. Or, le bébé on le conçoit, c'est qu'on a déjà le bébé pour être sûr que 2000, qu'on est sûr que 9 mois qu'on accouche. Or, il y a des gens qui n'ont pas de grossesse qui viennent enfanter. Est-ce qu'on a compris la révélation? On dit le chiffre 2016 veut dire l'enfantement, qui est le chiffre de la compétition.